Allez, suivez-moi. Paul et Nora, issus du centre de formation créé en 2013 par Rita Wissner, dispensent des formations certifiantes et diplômantes en esthétique, du CAP au BTS, et en coiffure, au niveau CAP et brevet professionnel. Les nouveaux locaux, situés à Aubagne, proposeront des cours académiques et de pratique. Forte en partenariat, tels que la maison Chanel, la chambre de métier de l'artisanat de Seine-Saint-Denis, Groomers Barbershop. L'école propose également pour la rentrée 2019 des titres professionnels de commerce, du CAP au Bac plus 2, mais aussi des formations de secrétariat médical et de social media manager. Fière de son enseignement de qualité, l'école Enora affiche plus de 95% de réussite, l'objectif étant de favoriser l'insertion, la réinsertion et la reconversion professionnelle. Bonjour, je me présente Jimmy John, fondateur du groupe Groomers Barbershop, et je suis accompagné de Rita Enora, de l'école Enora. Donc on est là pour annoncer la collaboration et mettre en place une formation de barbeur, une leçon barbeur qui est un nouveau métier, une vulgarisation de deux métiers, la coiffure et les barbiers. D'accord, donc avec ce nouveau fléau de barbershop, avec des nouvelles techniques de coupe, on est des experts tondeuses, on voudrait apporter notre expertise sur Aubagne, parce que c'est un nouveau fléau qui touche beaucoup de personnes, une grande communauté qui a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui touche toutes ces célébrités, toute cette culture un peu urbaine avec les footballeurs, hip-hop, etc. Donc voilà, cette formation aura lieu très prochainement sur,
sur une période de un mois pour pouvoir faire de l'initiation, pour pouvoir pousser les gens à s'inscrire au CAP Barber, un CAP Barber, option Barber, excusez-moi, qui a lieu qu'à Aubagne. Cet enseignement parle de la PSE, Prévention, Santé, Environnement. Il aborde différentes notions qui s'organisent autour de quatre grandes thématiques. Dans le cadre de la formation, cet enseignement prend en compte la diversité des besoins et des attentes des élèves. La première thématique abordée ici est l'individu responsable de son capital santé. Le premier module de cette thématique, c'est le sommeil, un rythme biologique. Nous allons examiner les effets du travail de nuit, la notion de rythme biologique. Ce module vise à démontrer l'importance du rôle du sommeil sur la santé de l'individu. Oui. Qu'est-ce qui favorise la récupération du sommeil ? Alors, il y a deux choses. Dans le cadre de la vie quotidienne, se relaxer, éviter les repas copieux, les excitants, les activités sportives juste avant de se coucher. La classe de 3e prépa métier accueille des élèves sortant de 4e, qui pour la plupart ont des difficultés à suivre leur scolarité en 3e général et sont en recherche d'une structure pour les aider à reprendre goût aux études et surtout à les accompagner dans le choix de leur orientation. Grâce à un suivi individualisé, ils pourront consolider leurs connaissances de base ou se remettre à niveau en enseignement général grâce à 26 heures hebdomadaires de français, histoire, géographie, mathématiques, anglais et espagnol. La première spécificité de cette 3e prépa métier réside dans les 6 heures hebdomadaires de découverte professionnelle qui permettront aux élèves de découvrir les différentes filières professionnelles dans le but de préparer leur orientation et de poser les bases de leur projet professionnel. La deuxième particularité de cette section est de proposer aux élèves des périodes de formation en entreprise dans les secteurs qui les intéressent, leur permettant ainsi d'acquérir une véritable expérience professionnelle et de définir leur projet. De plus, au terme de l'année, comme tous les élèves de 3e, ils obtiendront leur diplôme national du brevet. La 3e prépa métier est vraiment la classe qui permet aux élèves de retrouver l'envie de poursuivre leurs études, de reprendre confiance en eux et de se construire un projet professionnel concret. Une formation de social media manager sera mise en place à Aubagne courant 2019. Elle aura lieu dans les locaux du centre de formation Enora et permettra à de futurs communicants de se former à ce métier d'avenir. Un social media manager, souvent confondu avec le community manager, est un responsable de contenus digitaux. Au sein d'une agence de communication ou à son compte, il gère l'image de marque d'une entreprise sur les réseaux sociaux. Après avoir établi une stratégie d'influence, il communique sur ces mêmes réseaux, s'occupe de la création de contenus destinés à des sites web, ainsi que des visuels et des vidéos. Il organise des événements et fidélise les communautés. Il aura également pour rôle d'assurer la e-protection de ses clients et d'analyser les retombées des actions mises en place. C'est une formation taillée sur mesure par 3 professionnels du digital qui font appel à de nombreux formateurs experts afin d'apporter des compétences et des retours d'expériences uniques. Au programme, pédagogie inversée, beaucoup de pratiques et du travail collaboratif. Le social media manager doit être curieux, réactif, connecté et créatif. Il devra apprendre à manager des projets seul ou en équipe. Diplomate et à l'écoute, il exerce un rôle pédagogique au sein de son entreprise. Une capacité d'adaptation et une bonne expression orale seront indispensables dans sa vie de tous les jours. À l'issue de cette formation d'environ 2 mois, les participants devront se présenter à un examen sur table, un oral et effectuer un stage en entreprise. Le référentiel du CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie est écrit en 3 blocs de compétences professionnelles. Par exemple, l'enseignement du pôle 1 regroupe les techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds, ainsi que les soins de beauté et de bien-être. Différentes activités et compétences y sont abordées, comme la réalisation et l'élaboration de protocoles de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds, la réalisation et l'élaboration de protocoles de maquillage du visage, l'information, le conseil et la conduite d'une prestation UV.
Les savoirs et associés liés à ces activités sont les suivants. La biologie générale et appliquée du corps humain. La technologie des appareils. La technologie des produits cosmétiques. Il ne faut pas oublier le savoir-être de l'esthéticienne. Savoir adopter une attitude professionnelle. Créer des conditions d'accueil adéquates. Veiller au confort de la cliente tout au long de la prestation. L'esthéticienne qualifiée agit pour le bien-être et le confort de sa clientèle, adopte une démarche éco-citoyenne. Elle utilise des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle conformes à la réglementation, respecte la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au travail. Cette activité nécessite une présentation soignée et des attitudes professionnelles dont la discrétion, l'écoute, la courtoisie et l'empathie.